Quel est l'état d'esprit d'un entrepreneur? Je pense qu'un entrepreneur a le même état d'esprit qu'un pirate. Un entrepreneur est un pirate des temps modernes. Au début, le pirate n'a rien d'autre qu'un rêve. Cela peut être d'amasser le maximum de trésors, de devenir le roi des mers, de faire le tour du monde ou tout simplement de dessiner des cartes. Le pirate décide donc de quitter son village natal, c'est-à-dire sa zone de confort, pour affronter la faim, la soif, les mers agitées, d'autres pirates et toutes sortes de difficultés très éprouvantes à l'image des entrepreneurs. Le pirate accepte qu'on le considère comme une personne qui casse les codes, qui casse les règles pour atteindre ses objectifs, quitte même parfois à faire bouger certains gouvernements. C'est l'exemple de Uber ou encore des GAFAM. L'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est donc l'état d'esprit d'un pirate. Bien entendu, la différence entre les deux, c'est que l'un, pour atteindre ses fins, utilise les armes, la force, et l'autre utilise sa solution. Mais entrepreneurs et pirates ont un atout en commun qui leur permet de faire d'importantes réalisations. C'est donc, je pense, leur grande force de volonté et leur détermination à toute épreuve.